Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est à Disneyland et je vais vous présenter, en tout cas vous donner mes impressions sur le restaurant, le Captain Jack, donc le restaurant depuis un décembre. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est dans le restaurant donc Captain Jack et bah voilà là le menu, donc on attend tranquillement qu'on vienne prendre nos commandes. Donc nous on a pris voilà ce menu là, donc le trésor des pirates, et donc Jules a pris le menu donc là petit moussaillon. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on a un chic taille de volaille boucanée à la papaye verte, soupe des huiles au poisson, ou la salade de quinoa vinaigrette, noix de cajou épicée donc pour les entrées. Pour les plats, donc c'est pavé de maï-maï, cuit au four, sauce coco et poivron, ou alors un colombo de poulet toujours avec du riz, ou un curry de légumes, lentilles, bananes, plantains. Voilà. Et après pour les desserts, on verra ça un peu plus tard, donc on va voir ce qu'on va choisir, et puis je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc on voit, c'est une ambiance assez tamisée. Et la fois qu'on était venu, on est déjà venu une fois et je trouvais qu'il faisait assez froid, assez frais. En tout cas, là il fait bon. Voilà, il fait pas trop froid. Hop là. Hein? Donc voilà, là on va avoir la chic taille de poulet. Hein, et les enfants, eux, ils ont pris petite salade donc de quinoa, comme on voit ici. Ben, c'était quinoa et noix de cajou épicée. Et là, les petits cocktails de bienvenue. On a une petite vinaigrette aux agrumes. Et on a des petites noix de cajou qui sont un peu épicées.
Et c'est vraiment très très bon. Hein. Voilà. Donc je vais finir de manger ça. Ah, c'est vraiment très frais. Légèrement épicé, c'est vraiment très bon. J'ai changé d'option pour filmer parce qu'avec la lumière ça fait un petit peu trop fort. Ça dérange, je pense, un peu les gens à côté. Donc là dans le menu enfant, on a donc le filet de poulet avec donc le riz. Voilà, que Jules a pris, il est content, il a faim, il a faim. Et donc moi j'ai pris un colombo de poulet. Alors le colombo de poulet, donc voilà, vous avez entendu madame, c'est, les chiottes sont blindées. C'est gratiné, c'est vachement bien. Donc le colombo de poulet, vachement bien. Donc là on a quoi? On a des petites carottes, on a le poulet qui est ici. Voilà, des petites crevettes. Je ne sais pas ce que c'est. Ah si, c'est des copeaux de... Je montre quand même. Hein. Ça, c'est des copeaux de coco, il me semble. Et là, on va avoir le filet de maï maï. Voilà, le filet de maï maï avec le riz, toujours le même. Hein. Le riz qu'il y a juste à côté. Et voilà, et ben, vous savez quoi? Je vais déguster ça. Je peux déjà vous dire que c'est très très bon parce qu'on en a déjà mangé. Les desserts, donc le dessert enfant c'est la bouse de vanille, la boule de vanille, voilà, donc Jules l'a déjà tapé dedans. Là on va voir la soupe de fruits de la passion, enfin fruits exotiques. Au final c'est des fruits au sirop quoi, au final. Dessus il y a une petite sauce, une petite mousse coco et cannelle qui est plutôt bon, moi j'aime bien. Et là, c'était le sablé ananas. Alors, il y a les petits ananas sur un sablé et une petite crème. Alors, je ne sais pas si la crème, elle est à la coco ou si c'est vanille. Crème vanille. Crème vanille avec une petite gousse de vanille en forme de chocolat. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, donc on a fini de manger au Captain Jack. Donc comme vous voyez, on est à l'hôtel, à l'hôtel donc Newport Bay Club. Ça, il y aura aussi une vidéo, bah oui forcément, parce que je fais un week-end et je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce week-end. Donc parlons déjà du Captain Jack. Donc le Captain Jack, c'est pour moi le meilleur restaurant. Pour l'instant, de ceux que j'ai goûté, j'ai pas fait le Walt, j'ai pas fait aussi celui avec Cendrillon, je sais plus exactement son nom. Mais il y en a encore d'autres qui sont pas mal. Mais en tout cas, celui-là, je l'aime bien. Et pourquoi je l'aime bien? Ben, tout simplement parce qu'on mange, c'est des choses qu'on ne mange pas tous les jours. Voilà, parce que sur le parc, bien forcément, on retrouve quoi? Des burgers, des frites, voilà, tout un tas de choses qui est frit. Et voilà, moi, je cours pas forcément derrière. Alors, quand on vient un week-end, c'est plutôt pas mal. Voilà, on en profite, hein, c'est une fois de temps en temps, mais bon, voilà, si on peut faire autrement, moi, je vous conseille vraiment le Captain Jack. Donc vous avez vu, donc je vous ai pris, j'ai fait quelques petites vidéos à l'intérieur. C'est assez compliqué parce que c'est une atmosphère qui est assez tamisée. Pour filmer, c'est vraiment galère. Alors j'ai allumé à un moment donné le petit projecteur que j'ai à côté, mais ça éclaire vraiment très très fort et ça dérange, ça peut déranger en tout cas les personnes qui sont autour. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est tellement sombre, enfin tellement calfeutré dans ce restaurant, qu'il y a pas mal de gens pour regarder la carte, enfin surtout ceux qui sont en bas, qui sont un peu, si je peux dire, en terrasse, qui prennent leur téléphone pour regarder un petit peu ce qu'il y a sur le menu, en tout cas voir correctement. C'est peut-être le point négatif, le seul point négatif en tout cas que je trouverais à ce que je trouve, en tout cas à ce restaurant, c'est juste que bah voilà, c'est vraiment tamisé. Après, c'est l'ambiance du resto. Moi, je trouve que c'est quand même sympa. Maintenant, si vous pouvez avoir la chance d'avoir une place comme nous, on l'a eu donc en hauteur dans le petit bungalow là, c'est vrai que c'est pas mal, c'est mieux, c'est un peu plus éclairé parce qu'il y a les petites lanternes. Par contre, c'est vrai que si vous êtes en bas, ça va être assez, excusez-moi, ça va être assez assez terne. Voilà, on voit pas grand chose, je vous dis honnêtement. Et y a des personnes qui n'aiment pas manger dans la pénombre entre guillemets. Mais j'ai bien aimé. Alors la dernière fois que j'étais venu, j'avais pris la petite salade de quinoa qui était très bonne aussi. Cette fois-ci, j'ai fait une variante, j'ai changé, j'ai pris le comment qu'ils appelaient ça, le chicti de poulet. Enfin voilà, c'est du poulet un peu coupé, concassé. Avec, il y avait de la papaye, il y avait des carottes râpées, enfin il y avait des petites juliennes de légumes. C'était bon, c'était frais, voilà, c'était une petite entrée assez sympa.
Ensuite, j'ai pris le Colombo. Le Colombo, je l'avais déjà pris la dernière fois et j'aime bien, donc je reviens sur le Colombo. Je suis pas trop fan, excusez-moi encore une fois, oui, Covid oblige, voilà. Je suis pas très fan donc des poissons, mahi mahi, etc. Ça peut être pas mal, ma femme adore le poisson, donc c'est pour ça qu'elle a pris le mahi mahi. Et elle l'avait déjà pris la dernière fois, elle était super satisfaite de ce côté-là. Ça n'a pas changé, en tout cas les recettes sont toujours les mêmes. Mon fils, lui, avait pris donc le menu enfant avec la petite aiguillette, enfin pas aiguillette, le filet de poulet. Donc bon, il a aimé avec du riz, voilà. Après, vous ne trouverez pas de frites, ça va être soit du riz, soit des légumes verts, ou je sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore. Oui, de la purée de patates douces, voilà. Donc faut aimer la patate douce, moi j'aime pas trop, je vous dis clairement. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut trouver, mais il n'y a pas de frites. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas mal, c'est un restaurant qui change un peu des autres, hein, parce que, comme un, par exemple, je vous dis ratatouille, j'ai été manger un ratatouille, j'ai été déçu. Alors oui, c'est bon, mais punaise, on vous donne, alors j'ai pris un morceau de bœuf, et on vous file des frites systématiquement avec un petit peu de ratatouille. Je dis non, on est chez Ratatouille, donnez-moi plutôt plus de ratatouille, et les frites, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, les frites? Ça, c'est un truc que je comprends pas chez Ratatouille, enfin bref. Voilà, je vais revenir au Captain Jack. Donc, encore une fois, très très bon sentiment en tout cas pour ce Captain Jack, à l'unanimité. On a bien aimé. Après, le seul point positif, c'est peut-être que c'est dans la pénombre, ça pourra déranger certaines personnes. En tout cas, nous, on a kiffé. Et Grogu aussi, il a kiffé. Donc, c'est le principal. En tout cas, moi, je vous encourage vraiment. C'est une expérience à faire. C'est d'autres choses, des trucs qu'on ne mange pas forcément tous les jours. Enfin, des recettes, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Et voilà, je vous encourage vraiment à aller réserver parce que c'est un restaurant qui est vraiment très pris. En général, hein, quand les restaurants sont très pris, c'est que c'est pas mal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner un peu de force. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou même s'il y a des trucs négatifs. Voilà, ta vidéo elle est pourrie, j'en sais rien, je m'en fous. Mais voilà, moi ça m'aide en même temps à peut-être m'améliorer et à vous proposer peut-être d'autres contenus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.